I came from the mud, there's dirt on my hands. Et salut les copains, ça va, c'est Fifi le Sévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, l'Afrique, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 4 juillet, premier dimanche de travail. Et ouais, premier dimanche où on est ouvert. Ça me fait chier de travailler le dimanche, mais je le fais pour vous parce que c'est l'été. Voilà. Donc je suis ouvert aujourd'hui le matin, 8h midi, j'attaque bien plus bonne heure, tu le sais, hein. Donc ce matin j'ai fait un petit étalage, donc tu vois la caisse ici au milieu en bordel, parce que regarde, ici j'ai mon petit jouet, mon dernier petit jouet, tu vois, ça fait quand même 2-3 mois que je l'ai acheté, c'est sur Amazon, voilà, comme ça tu sais tout, et c'est un aspirateur professionnel. Et donc je passe un coup d'aspiro partout et après je lave tout. Donc là je vais faire mon labo, etc. Donc je vais te filmer tout ça, tu vas voir. Un petit coup sur l'étalage de ce dimanche matin. Voilà, parce que voilà, j'ai envie de te le filmer, regarde. Hein. Donc un petit étalage sympa. On n'a pas chargé parce que comme c'est le premier dimanche qu'on est ouvert et que dehors il pleut, regarde, hein, tu vois, j'ai Nola qui flotte. Attends, regarde, j'ouvre la porte. Voilà. J'ai Nola qui flotte. Et apparemment, ben, je suis tout seul ouvert. C'est pas grave, je m'en fous. J'y suis, voilà. Bref, j'y suis, j'ai promis, je fais. Voilà, j'ai qu'une parole, tu le sais. Voilà. Dernier dimanche de août, la boucherie sera fermée, comme chaque année. Et ben voilà, c'était juste une petite vidéo pour te dire bonjour, quoi. Voilà, t'as souhaité un bon dimanche, voilà. Et puis, ben voilà. Et puis, moi, ce petit aspirateur-là, qui est fantastique. Donc, il fait un peu de... Il fait un peu de bordel quand même, parce que c'est un industriel, tu vas voir. Je vais caler la cam. Voilà. On va la mettre ici. Là, on ne devrait pas être trop mal. Voilà, réglé comme ça, impeccable. Voilà, regardez. C'est un super truc, il est plein d'ustensiles, je l'ai payé 90 balles, voilà. Et si jamais tu veux t'en acheter un sur Amazon, franchement ça vaut le coup. Amazon ou tu vas ailleurs, moi je vais à Amazon, voilà. Et maintenant je vais faire le labo, je vais t'amener avec moi derrière, faire le labo, un coup d'aspirateur, et puis on lave tout, ok? Allez. Voilà, donc regarde, bon mais là tu connais mon arrière boutique ici, voilà. Voilà le labo, donc tu vois j'ai dégagé mes tables dessous, hein, les deux cartons que j'avais. Ici ma plonge comme d'hab, voilà mes couteaux, voilà le labo, donc j'ai désossé cette nuit, tu vois la table elle est souillée, il y a un peu du sang et tout, donc je vais nettoyer tout ça, nettoyer tout mon labo, tu vois les sols et tout, donc il est pas super sale puisqu'on le fait tous les jours forcément, et voilà quoi, donc je vais prendre mon aspiro et filer un coup ici et je vais le filmer aussi, comme ça tu verras, voilà, comme ça, tu sais pourquoi, pour toutes ces tranches, toutes ces tranches de mauvaise langue qui disent « Ah, ils font pas le ménage comme il faut !» Moi, je fais pas le ménage comme je faut. Tu rigoles quoi? Viens mon petit, tu manges par terre ici. Voilà, allez, un petit coup de gueule. Ouais, il faut bien.
vois. L'aspiro, c'est fini. Maintenant, je me le range. Voilà. Donc ça, il contient 30 litres. Hein. Et il fait, donc comme je t'ai dit, il fait souffleur. Et aspirateur et souffleur. Et il aspire tout. Allez, attends, voilà. Et voilà, comme ça, impeccable. Il aspire tout, il aspire les liquides, il aspire tous les gravats, tu peux t'en servir pour tout. Quoi. Bon, moi je m'en sers pour ma boucherie, voilà, comme ça c'est nickel. Voilà. Et mais maintenant, on va laver tout ça. Et oui, impeccable. Voilà, tu vois, je mets mes gants. Regarde, hein, j'ai les bottes, tu vois. Parce que ben là, je vais tout asperger, sinon je vais tremper mes souliers. Alors j'explique quand même pour ceux qui râlent toujours à dire quelque chose. Si j'ai pas le masque, c'est uniquement pour la vidéo. Hein. Tu comprends bien que mon masque il est là. Et dès que ça sonne, que je vais servir, je quitte mes gants, etc. Je mets mon masque, j'arrive devant, je me lave les mains et je sers mes clients. Voilà, comme ça c'est clair ça. Donc là j'ai ma centrale de désinfection. Premier truc. Alors j'ai filé un coup de ratoir quand même à ma table. Hein. Tu sais, pour enlever le maximum de gras de dessus. Donc là, j'ai pas de micro-cravate, hein, c'est la caméra elle-même qui prend le son. Donc il risque d'y avoir un peu des bruits de fond, mais c'est pas grave. Ça fout, c'est juste pour vous faire une petite vidéo. Et voilà, pour te faire voir pourquoi ça me fait chier d'ouvrir le dimanche. Je t'explique pourquoi ça me fait chier. Parce que tout simplement, le dimanche, à chez l'Oracle, on ne fait pas grand chose, on ne fout rien même. Tu vois. Là, on est le 4 juillet, à midi, on regardera un peu l'étalage comme il est et je t'expliquerai la matinée. Ok. Donc, pour l'instant, je nettoie. Voilà. Donc ici, un peu de centrale de désinfection de partout, sur les tables et sur les sols. Voilà. C'est calme. Donc il y a le produit qui diffuse et tout. Et après, ben, je vais passer tous mes sols au balai brosse, ma table à la grosse brosse, pour pouvoir que ce soit nickel, bien sûr, comme d'habitude. Tu le sais, je sais, je t'ai déjà fait des vidéos sur le nettoyage de mon labo, etc. Mais voilà, comme ça tu vois un peu. Et c'était aussi pour te faire voir mon aspirateur, parce que ben, je suis fier. Voilà, ça c'est un truc. Tu sais, dans ma vie, j'ai eu 12 patrons en tout dans ma vie. J'ai eu 12 patrons. Et dans mes 12 patrons, j'en ai eu 2 qui avaient l'aspirateur. Le premier, c'était mon père. Et le deuxième, c'était Jean-Luc. Un super patron avec qui j'en ai appris beaucoup aussi sur le métier. Voilà. Donc je mets en eau. Et après je frotte, ok? Allez, impec.
j'insiste sur cette vidéo pour le ménage, parce que ces jours-ci, j'ai vu 2-3 bouchers, jeunes bouchers, hein, ils sont bouchés depuis entre 3 et 5 ans, on va dire, et ils ont déjà dans l'idée de se mettre à leur compte en boucherie. C'est très très bien, mais comme je leur ai dit, n'oubliez jamais, il te faut du sérieux, de la ponctualité, de l'hygiène. L'hygiène, c'est primordial, parce que dans une boucherie, si tu ne nettoies pas, si tu ne tiens pas une hygiène drastique et draconienne, ta boucherie, elle sentira mauvais, etc. De servir tes clients le mieux possible, de ne pas penser pognon, mais penser faire plaisir à autrui, voilà. Et voilà, quoi. Et après, ben, je leur souhaite bon courage, parce que ben voilà. Et ça me fait plaisir, parce que comme ils m'ont dit tous les trois, ils m'ont dit Fifi, on avait des métiers de merde, des métiers à la con qui nous plaisaient pas et tout. On a vu tes vidéos, on est tombé raide dingue de tes vidéos. Et grâce à toi, on a trouvé notre voie. On a essayé, ça nous a plu. Et vu les vidéos que tu nous fais, eh ben, franchement, on avait déjà un pied dedans, quoi. Donc c'est impeccable. Donc là, je t'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui pour t'amener avec moi une fois de plus dans ma boucherie et te faire voir ce que c'est que de faire du ménage. Parce que c'est pas juste de la désosse ou de la fabrication ou servir tes clients. Il y a le minage, le ménage, ça prime avant tout. Voilà. Donc je te disais pour la chasse aussi, donc la chasse j'y vais quand je peux. La chasse, elle passe pas avant ma famille. Il y a d'abord mon travail, ma famille, c'est au même niveau. Et après, c'est la chasse. Mais voilà, mais quand je vais à la chasse, je vais à la chasse. Voilà, allez, on va devant. Et voilà, les amis, il est midi, dimanche midi, ça y est, la boucherie est fermée. Donc maintenant, je vais faire mon ménage. Je vais arrêter ma vitrine, rentrer toute la vitrine de devant. Voilà, tout ça. On va tout nettoyer. Ici, il ne me reste plus qu'à là-bas à faire. Comme tu as vu, je t'ai fait voir déjà tout le labo. Ce que je voulais te faire voir aussi, un petit truc sympa, comme tu peux le voir ici, j'ai mis un panneau. Ne pas se servir, respect des gestes barrières, merci. Avec un clin d'œil, d'accord? Voilà, tu comprends bien que si j'ai mis ça, c'est qu'on a attaqué la saison et qu'il y en a qui se croient déjà arrivés où on est. Dans l'ancien monde, c'est-à-dire comme on était avant, qu'il n'y avait jamais eu de coronavirus, c'est-à-dire qui se servent les bouteilles de vin, qui se servent les œufs, qui veulent toucher les saucissons, tu comprends? Donc il a fallu déjà mettre un petit coup de gueule. Et ouais, mettre un petit coup de gueule. J'ai dit c'est bon, je ne veux pas passer l'été comme ça, je vais mettre un panneau. Là maintenant, ça va. Pour l'instant, je touche du bois, parce qu'il n'y a plus la commode, je suis obligé de me toucher moi, hein, ouais. Donc je touche du bois, et pour l'instant ça va, les gens ils sont compréhensifs, ils respectent les distanciations, etc. C'est bien. Et ici, tu vois, ici, regarde, j'ai mis le gel, tu vois, ici j'ai mis le gel, et j'ai mis un petit panneau pour bien indiquer le gel, mais quand même il faut le dire encore. Enfin voilà, donc maintenant je vais me faire tout le nettoyage de devant. Je te fais voir un petit coup derrière. Voilà, comme ça, ben, tu vois que c'est tout nickel. Voilà, regarde. Ici, tu vois, j'ai déjà rangé tous mes bacs parce que, voilà, c'est tout sec, c'est tout bien, c'est tout propre. Voilà, et avant de partir, tu vois, il y a encore un peu d'eau qui se ramasse là. Donc avant de sortir de là, je mettrai un dernier petit coup de raclette. Voilà, donc... Là, la vidéo elle est terminée, c'était juste pour partager un moment avec vous, voilà. Et je vous souhaite eh bien, un bon dimanche à tous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Il va y avoir des vidéos de préparation de viande là, voilà, qui vont sortir. J'ai encore un montage à terminer et voilà quoi. Donc, mais celle-là, je la mets en prime, comme ça, ben, vous l'avez déjà. Ok? Allez, un bon dimanche à tous, passez-vous un bon été et profitez bien surtout. Et prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Téléphone, allez. La bise à tous. Ciao, ciao. I came from the mud. Dirt on my hands.